Bonjour les tricopines et les tricopins, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gulle pour réaliser ce très très joli pull. C'est un pull qui se tricote seulement en deux parties, c'est-à-dire le devant et le derrière du pull. Il se tricote donc en seulement deux parties et les manches, nous les tricotons en même temps, regardez, un petit peu comme la technique du pull chauve-souris. En faisant des augmentations. Donc ne vous inquiétez pas, les manches ne sont pas trop étroites. Oh, j'ai Yona là qui me fait tomber mon mannequin. Donc les manches, ne croyez pas que ce soit trop étroit parce que, comme vous allez le voir dans la vidéo, nous avons une petite particularité au niveau des manches. Regardez, nous avons des ouvertures comme ça tout le long de notre manche, de façon à apporter vraiment une petite touche d'originalité. Donc c'est un pull qui fait vraiment un pull habillé. J'ai utilisé la laine Queen de chez Lydia Crochet Tricot. C'est une laine qui est vraiment sublime, elle est brillante, vraiment brillante. Donc ça s'apprête très très bien à une tenue de soirée. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est vraiment très joli, c'est du gris argenté. Dans la vidéo, bien sûr, je vous donne les références. J'ai utilisé un point fantaisie qui est très 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 simple. Il se tricote seulement sur une rangée. Donc il suffit de répéter le rang numéro 1 quasiment sur tout le long du tricot. Nous avons des diminutions au niveau de l'encolure, nous avons des augmentations au niveau des manches. Ce que vous pouvez faire, si vous n'aimez pas ce point, vous n'avez pas envie de le faire, vous pouvez très bien utiliser le point mousse, le point jersey ou d'autres points de votre choix pour le réaliser. Il faut simplement que vous fassiez attention que ce soit un nombre impair si vous faites ce point-là, sans quoi le reste, vous faites comme vous avez envie. Donc il est très très simple à réaliser. Il m'a fallu 6 pelotes et demi, ce sont des pelotes de 50 grammes, donc 6 pelotes et demi pour réaliser ce très très joli pull. J'espère que vous arrivez à le voir, j'espère. Donc je vais quand même m'attarder un petit peu sur les détails de la manche qui font quand même regarder la particularité de notre pull. Excusez-moi. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer. Vous voyez, tout le long de notre manche, nous allons avoir des ouvertures comme ceci. J'en ai 4. Donc, il y a une petite combinaison de crochets. Mais je vous explique aussi, si vous ne savez pas faire de crochets, ce n'est pas grave. Vous pouvez très bien coudre cette partie-là. Donc, ça, je vous l'explique aussi dans la vidéo, comment vous pouvez coudre comme ça pour attacher, regardez, les petites parties de façon à former nos petites ouvertures. Voilà les tricotines et les tricopins, j'espère avoir tout dit. Donc si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Une petite chose que j'ai oublié de dire dans la vidéo, je pense, c'est que pour l'encolure, vous pouvez très bien, si vous avez envie, de faire une rangée ici de points serrés. Moi j'en ai pas fait, mais vous pouvez très bien le faire. Ce pull est pour une taille 38-40. Si vous voulez l'agrandir, vous augmentez de 10 mailles. 10 mailles pour le devant et 10 mailles pour le derrière. Le modèle de base était fait sur un nombre de 83 mailles. Moi, je l'ai augmenté de 10 mailles, donc j'ai mis 93 mailles. Donc si vous voulez le faire plus petit, vous diminuez de 10 mailles. En ce qui concerne les augmentations des manches et tout, vous ne changez rien parce que nous avons plus ou moins la même longueur de manche, sauf si, bien sûr, si vous avez des manches un peu plus, des bras un peu plus longues, vous pouvez éventuellement, juste à ce niveau-là, regardez, quand on va faire la bordure au crochet, vous pouvez très bien rajouter quelques rangées de crochets supplémentaires. Voilà les tricopines et les tricopins, je pense avoir tout dit, donc nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre pull, donc j'ai choisi la laine Queen
de chez Lydia Crochet Tricot. Bien sûr, je n'ai pas pu résister à la tentation de l'essayer. C'est vraiment une très jolie laine, comme vous pouvez le voir. Elle est brillante. Regardez. Je vous montre. Elle est très douce, elle est brillante, elle est très agréable à tricoter. Donc, ce sont des pelotes de 50 grammes qui font, je crois, 115 mètres. 115 mètres. Quand vous allez sur le site de chez Lydia Crochet Tricot pour commander, vous allez dans la partie, vous cliquez donc sur les références de cette laine et vous avez le métrage. Il me semble que c'est 115 mètres pour 50 grammes parce que là, sur la petite étiquette, c'est pas précisé. Donc, moi j'ai choisi pour notre pull la couleur gris, regardez, métallisée, argentée, elle est juste magnifique, brillante, superbe. Et ce sont des pelotes, regardez, nous avons 10% de mérino, 70% de polyamide et 20% d'acrylique. Et si vous êtes intéressé par la couleur, c'est la couleur 08. Voilà, j'espère avoir tout dit. Donc, moi, j'ai déjà commencé à tricoter. Donc, on nous demande, regardez, on nous dit, on nous conseille de tricoter avec des aiguilles numéro 4. Moi, je vais tricoter avec des aiguilles numéro 4,5 parce que je vais faire un point, regardez, un point ajouré. Je voulais qu'il soit vraiment très, très souple. Donc, j'ai beaucoup de douceur vraiment avec cette laine. J'ai un très joli rendu, je ne suis absolument pas déçue, regardez. Et donc j'ai fait une partie, le dos et le devant se tricotent à l'identique. Comme vous pouvez le voir. Donc moi j'ai tricoté une partie, nous allons tricoter la deuxième partie ensemble. Alors, pour cela, vous allez monter 93 mailles. Alors, en fonction de la laine que vous avez, vous pouvez, en fonction des tailles que vous désirez, rajouter 10 mailles supplémentaires ou retirer 10 mailles de votre tricot. Donc, si vous voulez faire une taille 36, par exemple, vous pouvez partir sur 83 mailles. Il vous faut des nombres impairs. Des nombres impairs pour commencer et le reste, vous tricotez exactement comme je vais vous l'indiquer. Donc, vous allez voir, c'est vraiment très simple, très sympa à réaliser. Nous avons un très joli point qui est très, très facile aussi. Donc, avant de faire le point, je vais faire mes côtes ici. Regardez, j'ai fait donc mon élastique en côte torse. C'est-à-dire, vous allez monter 93 mailles. Donc, moi, j'ai monté 93 mailles. Et j'ai tricoté un rang, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Le deuxième rang, nous allons, donc on passe notre maille d'isière. La deuxième maille est à l'envers, je la tricote normalement. Ma maille à l'envers, je la tricote normalement. Ma maille à l'endroit, alors moi je tricote de cette façon-là habituellement. Normalement, regardez, je viens prendre par derrière ma maille comme ceci. Et là, je vais aller chercher ma maille derrière. Alors, tout dépend bien sûr de votre façon de tricoter. Je vais vous montrer. Donc, ma maille à l'envers, je la tricote normalement à l'envers. Et ma maille à l'endroit, donc si vous avez l'habitude de tricoter votre maille comme ceci par derrière, là, vous allez venir la tricoter par devant. Mais moi, comme je la tricote comme ceci et je veux faire des mailles torses, je vais aller chercher ma maille derrière. Ma maille à l'envers, donc je la tricote normalement et ma maille à l'endroit, je vais la chercher, regardez, derrière et je vais continuer ainsi. Donc moi, comme je vous ai dit, je tricote ainsi et je passe mon fil par en dessous. Donc, tout dépend de votre façon de tricoter. Donc, comme je vous le dis, si vous tricotez comme ceci, vous allez, pour faire les mailles torses, vous allez chercher la maille qui est derrière. Vous passez votre fil devant, vous tricotez votre maille à l'envers normalement. Nous allons faire cela que sur les mailles en droit. Votre maille en droit, vous allez la tricoter donc par derrière pour ma part. Ma maille à l'envers, je la tricote normalement. Et donc, vous pouvez ne pas faire aussi, si ça vous
si vous trouvez que c'est compliqué, ça vous ennuie, ce que vous pouvez faire, c'est tricoter vos mailles normalement. Il faut juste, si vous tricotez en maille torse, voilà, il faut faire l'inverse de ce que vous avez l'habitude de faire sur vos mailles à l'entrant. Et vous allez tricoter ainsi. Alors, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers de votre travail, les mailles en droit, vous allez les tricoter de cette façon-là. Et les mailles à l'envers, vous les tricotez normalement. On peut aussi, bien sûr, faire des mailles torse sur les mailles envers. Mais là, moi, j'en fais pas. Je fais juste sur les mailles en droit pour apporter une petite touche de fantaisie. Donc, vous allez continuer ainsi. Une fois que vous êtes sur l'envers de votre travail, donc là, nous sommes sur l'envers. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez faire exactement la même chose. Vos mailles à l'envers, vous les tricotez normalement. Et vos mailles à l'endroit, vous allez les tricoter comme ceci par derrière. Donc, à l'inverse de ce que vous avez l'habitude de faire. Alors, le sens de vos mailles change en fonction de votre façon de tricoter et de votre façon de faire vos jetés sur votre aiguille. C'est-à-dire, regardez, moi, je tricote, je mets ma maille, regardez, mon fil part en dessous. Il y en a qui font comme ceci. Donc ça, ça change le sens de vos mailles. C'est pour ça, vous tricotez l'inverse de ce que vous avez l'habitude de faire sur vos mailles en trois. J'espère que c'est assez clair. Donc, vous allez continuer ainsi à tricoter pendant 5 cm. Vous allez tricoter pendant 5 cm ainsi et on va se retrouver après pour notre point fantaisie. Alors, une fois que nous avons terminé de tricoter en côte 1-1, nous allons passer à notre point fantaisie. Il est très très simple à réaliser, mais il y a des petits points auxquels vous devez absolument faire attention pour ne pas vous tromper. Alors, nous sommes sur l'endroit, regardez, quand j'ai ma petit bout de laine ici, pour moi c'est l'endroit du travail. Il est vers la droite. Alors, je passe ma maille lisière. Je tricote une maille à l'endroit. Donc j'ai deux mailles. À partir de maintenant, regardez, un jeté, deux mailles ensemble. 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 Un jeté, donc vous allez continuer ainsi à faire un jeté, deux mailles ensemble. Je vais aller au bout avec vous. Comme ça, vous pouvez le faire en même temps que moi pour ne pas vous tromper, mais c'est très très simple. Deux mailles ensemble, donc un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, un jeté. Alors, comme vous avez pu le voir, on ne fait pas d'augmentation. Le jeté remplace
les deux mailles, regardez, quand on tricote deux mailles ensemble, on diminue d'une maille. Et la jetée remplace la maille que nous avons diminuée. Un jeté, deux mailles ensemble. Un jeté, deux mailles ensemble. Un jeté, deux mailles ensemble. Donc, on va continuer ainsi et je vais vous montrer comment on termine notre rang. Donc on continue toujours, regardez, d'abord un jeté, ensuite deux mailles ensemble. Un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble. Et on termine, regardez, avec toujours, vous allez terminer votre rang ainsi. Un jeté, deux mailles ensemble, votre maille lisière. Donc regardez, ça nous fait deux mailles à la fin et deux mailles en début de rang. Alors, le deuxième rang, vous êtes sur l'envers. On va refaire exactement la même chose. Regardez, on passe notre maille lisière. On tricote une maille à l'endroit. Et là, le détail où vous devez faire très attention pour ne pas vous tromper, c'est excusez-moi. Alors, regardez. Vous voyez le jeté du rang précédent, il doit toujours être en première position. Regardez. J'ai passé ma maille lisière, j'ai tricoté une maille. Je fais un jeté et regardez, là, ça c'était notre jeté du rang précédent et notre maille qui est juste derrière, regardez. Maintenant, on continue. Deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, un jeté. Une fois que cette maille, regardez, votre jeté du rang précédent est devant, vous êtes bien. Et vous continuez, regardez ainsi. C'est tout ce que vous avez à faire, c'est-à-dire toujours tricoter de la même façon. Un jeté, regardez, vous avez votre jeté et derrière votre jeté, regardez, vous avez une maille. Vous êtes comme ceci. Donc vous tricotez ces deux mailles ensemble. Un jeté, 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 deux mailles ensemble. Et on continue.
un jeté de mailles ensemble. 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 Je vais aller jusqu'au bout du deuxième rang avec vous. Alors, je suis enrhumée de tricopine. Alors, je m'arrête de temps en temps pour me boucher le nez. Je suis désolée. Donc, n'oubliez pas, jeter deux mailles ensemble. Jeter deux mailles ensemble. Alors, j'arrive à la fin du rang et je vais vous expliquer, si jamais vous avez oublié de faire votre jeté, comment vous pouvez récupérer. Alors, ce point fantaisie, me semble que c'est le point fantaisie, le point turc, si je ne me trompe pas. Regardez, j'arrive en fin de rang. En fin de rang, vous êtes comme ceci, regardez. Un jeté. Vous faites deux mailles ensemble et une maille à l'endroit. Le détail, c'est ça. Quand vous avez fait vos deux mailles ensemble, vous ne faites pas de jeté, vous tricotez directement votre dernière maille. De façon à avoir deux mailles en fin de rang et deux mailles en début de rang. Donc, je suis de nouveau sur l'endroit et je reprends. C'est toujours le même rang, le rang 1 que nous répétons. Ma maille lisière. Une maille à l'endroit. Et regardez, normalement, je ne peux pas me tromper. Vous voyez, je suis comme ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois faire un jeté, deux mailles ensemble. Un jeté, deux mailles ensemble. C'est, vous voyez, le point se fait sur un rang que vous allez répéter pendant au total 40 cm, soit 34 cm que le point fantaisie, ou 40 cm en partant ici du bord. Et vous allez donc continuer ainsi, c'est très très facile. Regardez, il faut absolument que votre jeté du rang précédent soit devant vous pour faire deux mailles ensemble, un jeté. Deux mailles ensemble, un jeté. Alors, supposons que ici, vous avez oublié, regardez, de faire un jeté. Vous regardez, vous avez votre maille qui est seule, et ici, vous avez bien votre jeté, votre maille à l'endroit. Ce que vous faites, vous pouvez tricher, vous allez chercher une maille en dessous, comme ceci, et le mettre sur votre aiguille, et tricoter deux mailles ensemble. Comme ça, ça vous évitera de détricoter, parce que c'est très dur de détricoter et de reprendre. Donc, vous êtes obligé de tout détricoter. C'est assez compliqué. Donc, si vous voyez que vous avez oublié de faire un jeté, n'hésitez pas à aller prendre une maille comme ceci en dessous. Vous aurez un tout petit, enfin un trou un petit peu plus grand, mais ça vous permettra de rattraper
votre tricot. Voilà les tricopines, vous allez, et les tricopins, vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin. Et à la fin, regardez, vous avez donc un jeté, deux mailles ensemble, une maille lisière à l'endroit. Vous allez répéter, donc je vous ai dit, pendant 40 rangs en partant d'ici. Moi, j'ai mesuré en partant du bord pendant 40 rangs. Et après, nous allons faire des augmentations pour faire, regardez, notre manche. Alors, j'ai terminé de tricoter pendant 40 cm avec mon point fantaisie. Maintenant, ce que je vais faire, on va faire donc les augmentations, pardon, pour les emmanchures, c'est-à-dire, regardez, vous voyez ici, nous allons faire les augmentations pour la manche. Pour cela, donc nous sommes sur l'endroit du travail et on va commencer par, je vais vous expliquer comme ça, si vous avez compris, vous n'êtes pas obligé de suivre la vidéo, donc vous pouvez vous tricoter de votre côté. Dans un premier temps, nous allons faire deux augmentations. De ce côté-ci, on va tricoter toutes nos mailles au point fantaisie et sur l'envers, nous allons faire deux augmentations de ce côté-ci. Ensuite, nous allons encore faire deux augmentations de ce côté-ci, puis de l'autre côté. Ensuite, nous allons faire quatre augmentations de chaque côté. Ensuite, six augmentations de chaque côté. Ensuite, 8 augmentations de chaque côté et ensuite 16 augmentations de chaque côté plus 34 augmentations de chaque côté et nous allons former notre manche ainsi. Alors, on commence. Ça nous fait au total 50, 60, 64, 65, 66, 72 augmentations pour chaque manche. Alors, nous sommes ici sur l'endroit. Et on va regarder. Nous avons une, deux mailles. Vous pouvez utiliser les augmentations de votre choix. Vous pouvez très bien entourer autour de votre doigt et faire ceci. Vous pouvez très bien, regardez, tricoter la première maille comme ceci et prendre la maille comme ceci par derrière. Ou alors, faire comme moi, regardez, une, deux mailles. J'ai deux mailles, je rentre au milieu comme ceci de ces deux mailles. Et je tricote, j'obtiens une maille. Je mets sur mon aiguille de gauche et je recommence. Regardez, une, deux, et je rentre au milieu et je tire. J'ai une deuxième maille. Et maintenant, regardez, on va tricoter une, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'endroit, et tout de suite après, regardez. Un jeté, deux mailles, regardez, les deux mailles elles sont comme ceci, c'est pas grave, on prend ces deux mailles ensemble. Et après, regardez, on continue. Un jeté et on doit être comme ceci. Et on continue à tricoter nos mailles au point fantaisie jusqu'à la fin du rang. Donc, on termine notre première rangée d'augmentation. Vous terminez et on se retrouve à la fin de notre rangée. Je suis arrivée à la fin du rang et je tourne. Et maintenant, je vais faire deux augmentations de ce côté-ci aussi. Donc, je rentre au milieu de ces deux mailles et je tricote une maille et encore une deuxième. Et je tricote deux mailles à l'endroit. Tout de suite après, un jeté,
Regardez, j'ai deux mailles normales ici, comme ceci. Je les prends ensemble et je continue. Regardez, un jeté, vous voyez, deux mailles ensemble, un jeté, et je continue à faire mon point fantaisie. Donc, vous continuez et on se retrouve sur l'endroit du travail pour faire notre deuxième rangée d'augmentation. Alors, de nouveau sur l'endroit et on refait deux augmentations. Je rentre entre ces deux mailles, une et deux. Une, deux mailles à l'endroit, un jeté. Deux mailles ensemble, un jeté. Et on continue après à faire deux mailles ensemble, un jeté jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve sur l'envers pour faire encore deux augmentations. Alors, je suis sur l'envers et je refais deux augmentations. Une, deux, soyez assez souple, ne tirez pas trop. Deux. À partir de maintenant, une fois que nous allons être sur l'endroit, on va tricoter, on va augmenter 4 mailles. Donc, on a augmenté 2 mailles. 2 mailles à l'endroit, 1 jeté. 2 mailles ensemble, vous les prenez comme vous voulez, les deux premières mailles, 2 mailles ensemble. Regardez, 1 jeté, et après je continue à faire mon point fantaisie. 1 jeté, 2 mailles ensemble, 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 1 jeté, et 2 mailles ensemble. Regardez notre augmentation. Donc c'est pour faire une augmentation en douceur, pour former un léger arrondi sous les aisselles, qu'on va étape par étape. Donc, vous continuez jusqu'à la fin de votre rang. Je vais aller au bout avec vous. Et on continue donc.
Donc là, je vous ai montré jusqu'au bout. À partir de maintenant, comme j'ai commencé, je vais vous montrer que les augmentations en début de rang. Donc, on termine toujours avec un jeté, deux mailles ensemble, une maille à l'endroit. Maintenant, nous sommes sur l'endroit du travail et nous allons faire quatre augmentations. Toujours entre les deux mailles, pour ma part, une, deux, trois et quatre. Donc, à chaque fois que vous faites des augmentations, vous allez commencer avec, regardez, une, deux mailles à l'endroit. Deux mailles à l'endroit. Et tout de suite après, vous faites un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, un jeté. Et ensuite, regardez, vous voyez, le point fantaisie que vous avez déjà commencé, il continue normalement. Vous tricotez jusqu'à la fin du rang ainsi. Et une fois que nous sommes sur l'envers, je reprends pour vous montrer encore les quatre augmentations. Donc vous continuez à tricoter vos mailles en faisant votre point fantaisie et on se retrouve sur l'envers pour notre troisième rangée d'augmentation. Alors, nous sommes sur l'envers et nous allons faire notre troisième augmentation de ce côté-ci aussi. Donc, nous allons faire quatre augmentations. Une, deux, oui, c'est vrai que quand on en fait un peu beaucoup, ça devient un peu compliqué. Trois, quatre. Voilà, et maintenant, donc toujours, on commence toujours avec deux mailles à l'endroit. Un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, un jeté et deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble jusqu'à la fin du rang. Et une fois que nous sommes sur l'endroit, nous allons faire notre quatrième augmentation. Donc vous continuez jusqu'à la fin du rang et ensuite, une fois que nous sommes sur l'endroit, nous allons cette fois-ci faire six augmentations. Alors, nous sommes sur l'endroit et nous allons faire notre quatrième augmentation et cette fois-ci, nous allons augmenter six mailles. Une, deux, trois, 4, 5 et 6. Et maintenant, regardez, on tricote deux mailles à l'endroit, une, deux mailles à l'endroit, et ensuite un jeté, deux mailles ensemble. Un jeté, deux mailles ensemble. Un jeté, deux mailles ensemble. Un jeté et normalement, regardez, vous continuez normalement à tricoter vos mailles en faisant un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez augmenter 6 mailles aussi, exactement comme nous venons de faire.
vous tricotez votre rang jusqu'au bout. Donc je ne vais pas le faire, bien sûr, je ne vais pas vous faire perdre du temps. Vous tricotez ainsi vos mailles. Donc vous arrivez à la fin du rang. Vous tournez et vous allez faire 6 augmentations de ce côté-là, de ce côté-ci aussi, exactement comme nous venons de faire. Et ensuite, vous tricotez de la même façon, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, ainsi de suite. Et on va se retrouver sur l'endroit de nouveau pour faire notre 5e augmentation. Et cette fois-ci, nous allons augmenter de 8 mailles. De nouveau sur l'endroit. Et maintenant, on va faire 8 augmentations. Donc, une. Ne serrez pas trop de façon à pouvoir glisser votre aiguille entre les deux mailles. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8. Et maintenant, on tricote 2 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'endroit, et ensuite nous continuons avec un jeté, 2 mailles ensemble, 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 un jeté, et ensuite regardez, vous récupérez vos points fantaisie et vous continuez ainsi. Donc vous allez tricoter jusqu'à la fin du rang. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez faire exactement ce que nous venons de faire, c'est-à-dire vous allez augmenter de 8 mailles, commencer par 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et on va se retrouver pour notre 6e augmentation, c'est-à-dire que nous allons augmenter 16 mailles pour la 6e augmentation. Nous sommes à notre 6e augmentation et maintenant nous allons augmenter de 16 mailles. Donc on fait exactement la même chose. 1, 2, 3. Alors, je refais celui-ci. Voilà. 1, on a fait, voilà. 2, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11,
que je rentre bien entre les deux mailles. Alors je vais refaire, voilà. Onze. Douze. Treize. Quatorze. Quinze. Et seize. Et on commence toujours donc avec une, deux mailles à l'endroit et on commence à faire notre point fantaisie. Un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, un jeté. Deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble et on continue donc ainsi tout le long de notre tricot. Donc vous terminez, sur l'envers vous allez faire encore 16 augmentations exactement comme nous venons de faire. Et vous allez continuer à tricoter 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 mailles, donc parfait. 16 mailles, on peut vérifier. Donc, et là, regardez, 2 mailles ensemble, un jeté, et on continue ainsi notre point fantaisie. Vous allez jusqu'au bout. Sur l'envers, vous refaites exactement ce que nous venons de faire, c'est-à-dire vous augmentez de 16 mailles. Vous commencez par 2 mailles à l'endroit, après un jeté, 2 mailles ensemble, vous formez votre point fantaisie jusqu'au bout. Et une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, donc je ne vais pas vous le montrer parce que je ne veux pas que la vidéo soit très très longue, vous allez augmenter de 34 mailles. Donc là, on a fait 16. Une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez augmenter de 34 mailles. 34 mailles que vous allez tricoter d'abord 2 mailles à l'endroit et ensuite un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, ainsi de suite jusqu'à la fin. Et une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez faire la même chose. Vous allez augmenter de 34 mailles. Et vous faites exactement la même chose. Et ensuite, vous allez tricoter pendant 5 à 6 cm que cette partie-là. Regardez, vous mesurez cette partie-là. Vous n'allez pas mesurer ici. Vous mesurez pardon, la partie du poignet. Ben, je vais vous montrer là. Voilà, regardez. Là, à partir de notre poignet, vous allez tricoter pendant à peu près 5 à 6 cm. Donc là, j'ai 6 cm au total, mais on va faire, vous allez voir, des diminutions pour former l'encolure. Donc vous allez tricoter pendant à peu près 6 cm, c'est bien. Tricoter pendant. Une fois que nous avons fait nos dernières augmentations, donc 34 mailles, et ensuite on a tricoté pendant 6 cm pour ma part. Donc voilà, ça me fait ça. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder. Placez cette partie-là sur votre poignet. Si vous avez votre poignet qui est plus large que le mien, ce que vous allez faire, c'est vous pouvez tricoter encore 2-3 rangs supplémentaires. Donc, une fois que nous avons terminé, si je ne me suis pas trompée dans mes augmentations, j'ai tricoté 108 mailles au point fantaisie. 108 mailles. Et maintenant, nous allons rabattre 19 mailles. Donc moi, je vais les tricoter deux par deux. Une,
1, je reprends ma maille sur mon aiguille de gauche, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, n'hésitez pas à tirer un peu, 15, 16, 17, 18 et 19. Nous avons rabattu 19 mailles pour l'encolure. Maintenant, regardez, le seul détail, nous allons tricoter 2 mailles à l'endroit. Alors, regardez, 2 mailles à l'endroit. Logiquement, je dois me retrouver comme ceci, regardez. Vous voyez, il faut absolument que le jeté du rang précédent soit soit devant. Regardez, une fois que vous avez vos 2 mailles, on avait rabattu donc notre dernière maille, ça nous a formé une maille, on a tricoté 2 mailles à l'endroit. Donc, ça nous fait 3 mailles. Et maintenant, regardez, on reprend avec un jeté et on fait notre point fantaisie jusqu'à la fin du rang. Vous allez tricoter ainsi jusqu'à la fin du rang. Ça, c'est notre premier rang de diminution. Le deuxième rang, vous êtes sur l'envers. Vous allez tricoter de la même façon en respectant votre point fantaisie jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles. Et je reprendrai la vidéo pour faire ensemble les diminutions. Alors, j'approche de la fin du deuxième rang. Donc, je continue à tricoter au point fantaisie, normalement, jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Donc, j'ai fait, vous avez vu, un jeté, 2 mailles ensemble. Donc ça, c'est pour mon point fantaisie. Et ici, il me reste 2 mailles. Ces 2 mailles, je vais les tricoter ensemble comme ceci. Je tourne. Là, c'est le troisième rang. Donc, comme vous avez pu le voir, on tricote d'abord un côté et après, nous allons tricoter l'autre côté que nous avons laissé en attente. Et maintenant, regardez, tout de suite, avant de commencer, nous allons prendre 2 mailles ensemble. Donc, notre troisième rang, on a tricoté 2 mailles ensemble. Et maintenant, nous allons tricoter, après nos 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit. Et c'est seulement maintenant que nous allons faire notre point fantaisie. Donc, un jeté, 2 mailles ensemble. Un jeté,
deux mailles ensemble, ajouter deux mailles ensemble. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin de votre rang. Donc le troisième rang, on le tricote ainsi. Le quatrième rang, vous allez tricoter vos mailles jusqu'à ce qu'il vous reste deux mailles. Vous allez tricoter au point fantaisie comme je viens de vous montrer. Et dès qu'il va vous rester deux mailles, on va les prendre ensemble. Donc je termine mon troisième rang et donc je termine mon quatrième rang aussi et je reprends pour vous montrer comment rabattre les deux dernières mailles et la suite. Donc je suis arrivée à la fin du quatrième rang. Regardez, il me reste deux mailles et ces deux mailles, je les tricote ensemble ainsi. Je tourne. Et maintenant, je vais faire ma cinquième diminution, donc cinquième rang. Toujours deux mailles ainsi, ensemble. Et ensuite, regardez, une, deux mailles à l'endroit. Et après, je continue mon point fantaisie. Donc, vous allez faire votre cinquième rangée, vous continuez à tricoter vos mailles comme elles se présentent au point fantaisie. Donc le cinquième rangée, nous avons fait deux mailles ensemble et deux mailles à l'endroit et ensuite on a continué au point fantaisie jusqu'à la fin. Le sixième rang, nous allons tricoter. Donc le cinquième rang, on l'a fait ensemble. On a commencé à le faire ensemble. Le sixième rang, donc vous allez tricoter votre point, vos mailles au point fantaisie et vous allez tricoter deux mailles ensemble, les deux dernières mailles ensemble. Le septième rang, vous allez tricoter deux mailles ensemble, deux mailles à l'endroit et vos mailles au point fantaisie jusqu'à la fin. Le huitième rang, vous allez tricoter vos mailles au point fantaisie et deux mailles ensemble. Alors, ça va nous faire une, deux. On a fait quatre diminution ensemble. On a commencé le cinquième ensemble aussi. Donc, vous allez faire le sixième, septième, huitième et ensuite le neuvième. Neuvième, vous êtes sur, regardez, au niveau du col. Donc, vous allez faire deux mailles ensemble, deux mailles à l'endroit et toutes vos mailles au point fantaisie. Et le dixième rang, vous allez faire le dixième rang, vous allez tricoter vos mailles au point fantaisie et vous allez terminer avec deux mailles ensemble. C'est-à-dire ce que nous venons de faire. Nous avons fait, donc nous avons tricoté cinq rangs. On a commencé le cinquième rang ensemble. Vous allez encore faire, vous, cinq rangs de façon à faire dix diminutions d'un seul côté, regardez, de ce côté-ci, de notre encolure. Donc, vous continuez. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous arrivez au niveau, regardez, ici, vous allez tricoter deux mailles ensemble. Une fois que vous êtes sur l'endroit du travail, vous allez faire deux mailles ensemble, une, deux mailles à l'endroit, et continuez vos mailles au point fantaisie. Donc, j'espère que j'ai été assez claire. Vous allez continuer ainsi encore, donc, pendant 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Encore pendant 5 rangs. Et une fois que vous êtes en fin de rang, vous faites 2 mailles ensemble. Et une fois que vous êtes en début de rang, vous faites 2 mailles ensemble. Et on se retrouve pour la suite. Nous sommes à notre dixième rang, côté
en colure. Alors, nous allons faire notre diminution. On va tricoter deux mailles ensemble. Donc, avec cette maille, nous allons tricoter 17 mailles. Donc, on a fait deux mailles ensemble, on tricote. Une, deux mailles à l'endroit, ça nous fait trois mailles. 4, 4, 2 mailles ensemble, donc je continue mon point fantaisie, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 mailles, on a fait au point fantaisie. Alors, j'aimerais bien avoir un petit bout de laine pour pouvoir, donc si vous avez un nanomarqueur, si vous avez quelque chose, pour voilà, pour pouvoir, pas tout de suite, regardez, 17 mailles, donc vous prenez un nanomarqueur, un petit bout de laine et 17, donc regardez, la 18e à l'endroit et 19 à l'endroit, et je vais mettre ici un petit nanomarqueur parce que maintenant, nous allons tricoter toutes les mailles jusqu'au bout du rang, normalement à l'endroit, sans faire de point fantaisie. Pourquoi? Parce qu'une fois que nous allons être sur l'autre côté du travail, donc on tricote toutes nos mailles, nous allons les rabattre. On garde 19 mailles pour l'épaule et on va rabattre toutes nos autres mailles. Donc, toutes vos mailles, vous les tricotez normalement à l'endroit. Vous tricotez chaque maille, regardez, votre jeté, votre maille séparément à l'endroit. On ne fait plus de jeté, vous avez vu. Donc on tricote normalement parce que nous allons les rabattre. Alors moi, mes mailles, elles ont un petit peu changé de sens parce que j'ai tricoté toutes mes mailles sans faire attention et donc j'ai dû détricoter. Donc ne tenez vraiment pas compte du sens de mes mailles comme j'ai dû détricoter. C'est vraiment pas facile à détricoter, donc faites vraiment attention. C'est pour ça que mes mailles ont changé de sens.
Je vais aller jusqu'au bout et après je vais commencer à rabattre et vous montrer. Voilà, je suis arrivée au bout. Maintenant, je vais rabattre toutes mes mailles de façon à ce qu'il me reste 19 mailles. Donc, j'ai mis un anneau marqueur pour ne pas avoir à compter à chaque fois. Et normalement, voilà, je vais moi plutôt les prendre comme ceci, deux par deux. Je trouve que le rendu est plus joli. Vous pouvez vous rabattre comme vous avez envie, mais de temps en temps, tirez un petit peu. Donc. Donc là, regardez, je fais que rabattre mes mailles. Je prends deux par deux mes mailles et la maille que j'obtiens qui est sur mon aiguille de droite, je la remets sur mon aiguille de gauche et je continue à rabattre mes mailles ainsi. Donc de temps en temps, tirer un tout petit peu dessus pour que ça soit bien régulier. Voilà, continuez ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste 19 mailles et après je vous explique pour la suite. Une fois que vous avez rabattu vos mailles, côté en manchure, regarde, côté manche, pardon. Maintenant, vous tricotez vos mailles restantes jusqu'au bout, vos 19 mailles. Et maintenant, nous allons les tricoter pendant deux rangs. Donc, j'ai rabattu mes mailles, j'ai tricoté jusqu'au bout. Et maintenant, je vais tricoter encore un rang. Donc, deux mailles à l'endroit, un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, un jeté. Deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, et on continue. Donc je vais tricoter un rang, encore un rang. Donc je tricote ce rang-ci avec vous, on va tricoter encore un rang, c'est 19 mailles, et ensuite on va les laisser en attente. Et regardez, je termine donc avec deux mailles ensemble, une, deux mailles à l'endroit côté encolure. Et je tourne et je vais tricoter encore une fois. Je vais tricoter encore une fois toutes ces mailles. Alors ne faites pas attention à là, comme je vous ai dit, j'ai dû détricoter, ça a changé, je vous avais dit ça avait changé le sens de mes mailles. Donc vous allez tricoter encore un rang, une, deux,
Là, regardez, nous avons trois mailles. Une, deux, trois mailles à l'endroit. Un jeté. Deux mailles ensemble. Un jeté. Deux mailles ensemble. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et une fois que vous êtes de ce côté-ci, vous allez rabattre. Non, vous allez, excusez-moi, vous allez laisser en attente toutes vos mailles. Vous les laissez en attente ces 19 mailles. Ensuite, vous allez reprendre le côté que nous avions mis en attente. Et ici, tout de suite, regardez, dès que vous attachez votre laine, ce que vous allez faire, c'est vous allez tricoter deux mailles ensemble, une, deux mailles à l'endroit, et deux mailles ensemble. Regardez comment moi je suis de ce côté-ci. J'ai deux mailles à l'endroit, trois mailles à l'endroit, regardez, et après j'ai mon jeté. Donc logiquement, je devrais faire deux mailles ensemble, une, deux mailles à l'endroit, et ici je devrais avoir mon jeté pour pouvoir continuer mon point fantaisie. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire de diminution si vous êtes comme moi. Si vous n'êtes pas comme moi, si vous avez bien regardé quand vous faites vos deux mailles ensemble, quand vous faites vos deux mailles ensemble, vous avez une maille à l'endroit, une autre maille à l'endroit. Et ensuite, si vous avez votre tricot qui se présente comme ceci, regardez, vous faites un jeté et vous continuez avec votre point fantaisie. Donc, comme ça, ce n'est pas mon cas. Donc, ce que je vais faire, regardez, je vais terminer ce côté-ci et je vais commencer celui-ci avec vous. Pour le deuxième côté, enfin le côté que nous avions laissé en attente, donc je prends mon bout de laine et comme je vous avais expliqué, je vais faire tout de suite deux mailles ensemble. Ça va être notre premier rang. N'hésitez pas à élargir un petit peu pour pouvoir les tricoter tranquillement. Voilà, donc deux mailles ensemble et ensuite on tricotait, vous vous souvenez, une, deux mailles ensemble et cette maille, regardez, et après on devait se retrouver comme ceci. Donc moi, regardez, il me manque une maille. Donc, ce que je vais faire, je vais tricher, je vais faire ces deux mailles qui suivent ensemble et une maille à l'endroit. Moi, j'ai triché, j'ai fait ainsi de façon à regarder, pouvoir continuer mon point fantaisie. Il faut que j'ai d'abord mon jeté qui soit face à moi, qui soit ma première maille. Et ensuite, je continue. Donc, vous allez continuer à tricoter ainsi, comme nous avions fait pour le premier côté. C'est-à-dire, vous tricotez, une fois que vous arrivez ici, vous tricotez deux mailles ensemble, toujours côté encolure, vous tournez deux mailles ensemble, une, deux mailles à l'endroit, et vous continuez votre point fantaisie jusqu'à la fin. Et vous répétez donc 10 rangs, pendant 10 rangs, on a fait le premier rang ensemble, vous allez tricoter pendant 9 rangs. Et ensuite, au 10e rang, vous allez faire exactement ce que nous avions fait ici, c'est-à-dire vous allez tricoter 3 mailles à l'endroit, ensuite 3 et 3, 6, 11 mailles au point fantaisie et 3 mailles à l'endroit, vous mettez un petit anneau marqueur pour vous repérer et vous tricotez toutes vos autres mailles à l'endroit. Et ensuite, quand vous êtes sur l'autre côté, je ne sais pas si c'est l'envers ou l'endroit, donc je ne vais pas regarder, vous rabattez vos mailles de façon à ce qu'il vous reste 19 mailles. Et ces 19 mailles, vous allez les tricoter un rang aller, un rang retour et de façon à ce que vos aiguilles, peut-être un troisième rang, de façon à ce que la pointe de vos aiguilles soit vers le côté encolure. Et après, on va se retrouver pour faire les... Alors, j'ai terminé aussi le deuxième morceau. Et
j'ai laissé en attente mes mailles sur mon aiguille. Maintenant, vous regardez comme ceci, regardez, et vous choisissez le côté qui vous plaît. Vous regardez, vous regardez, et le côté qui vous plaît le plus, en général c'est plus ou moins pareil, hein, regardez, et vous prenez le côté qui vous plaît, ça va être l'endroit de votre tricot, et vous prenez, donc les deux morceaux sont tricotés à l'identique, et vous prenez le deuxième morceau, le devant ou le dos, ça n'a pas d'importance, les deux sont tricotés exactement de la même façon. Et maintenant, regardez, vous mettez endroit sur endroit le côté qui vous plaît. Et maintenant, nous allons assembler nos parties. Alors, moi, regardez, mes aiguilles sont vers l'intérieur. Logiquement, ils devaient être vers l'extérieur. Et je vous avais dit de faire vers l'intérieur. Donc, ce n'était pas une bonne idée. On va faire glisser nos mailles. Là, j'avais mis une épingle pour faire tenir ma laine. Donc ça, c'est vraiment pas... Ne tenez pas compte de ça. Voilà. On peut éventuellement regarder. Non, pas besoin de changer. Vous mettez comme ceci, face à face. Ici, j'avais laissé un petit bout de laine. Et maintenant, donc si vous n'avez pas de bout de laine, ce que vous faites... Vous attachez votre laine et maintenant nous allons assembler les deux parties en tricotant. Je vais juste arranger ça. Alors, vous avez besoin d'une troisième aiguille pour assembler vos morceaux. En tricote, la première maille. Pardon, on prend la première maille et ensuite on prend la première maille sur l'aiguille qui est derrière et on tricote ces deux mailles ensemble et on les retire de nos aiguilles. Sur mon aiguille de gauche, j'ai une maille. Maintenant, regardez. J'ai une, je prends une maille sur l'aiguille de devant et je prends une maille sur l'aiguille de derrière et je tricote ces deux mailles ensemble. Sur mon aiguille de gauche, de droite, pardon, j'ai deux mailles. Je prends la première maille et je fais passer par-dessus la deuxième. Je fais mon surjet simple. Je tricote. J'ai deux mailles sur mon aiguille de droite. Je prends la première et je fais passer par-dessus la deuxième. J'assemble et en même temps, je rabats. Là, regardez, ce sont mes jetés. Les deux mailles ensemble et je rabats. Après notre jeté, nous avons normalement une maille. Voilà. Je récupère, voilà, ma maille. Je tricote les deux mailles ensemble et je fais passer la première maille par-dessus la deuxième maille. Je prends, maintenant ce sont les deux jetés, regardez, je les tricote ensemble, je les retire de mon aiguille et je fais passer la première maille par-dessus la deuxième. Et je continue ainsi, je prends une maille, une deuxième maille, regardez, une maille sur chaque aiguille, je tricote les deux, je retire et je fais passer ma première maille par-dessus les deux mailles, par-dessus la maille obtenue. Donc je continue. La première maille par-dessus la deuxième maille. Ce que si vous n'arrivez pas, vous pouvez très bien prendre la première maille, regardez, la mettre sur votre aiguille de derrière, tricoter ces deux mailles ensemble et ensuite vous faites votre surjet simple.
Vous prenez votre première maille, regardez, vous la mettez sur votre aiguille derrière et vous tricotez vos deux mailles ensemble si vous pensez que c'est plus simple pour vous. Donc moi je prends une autre là et je tricote ces deux mailles ensemble. Et je fais mon surjet simple. Et je continue ainsi jusqu'à la fin. Alors, s'il vous manque des mailles, ce n'est absolument pas grave. Vous pouvez rabattre quand même vos mailles sans aucun problème. Décidément, je reprends et je fais mon surjet simple. Une maille devant, une maille sur l'aiguille de derrière, je tricote ces deux mailles ensemble et je fais mon surjet simple. Une maille derrière, je tricote et je fais un surjet simple. Une maille devant, une maille derrière, je tricote ces deux mailles ensemble et je fais un surjet simple. Alors là, vous voyez, il me manque une maille, donc c'est pas grave. Je fais continue. Sur une aiguille, il me reste 3 mailles et sur l'autre aiguille, il me reste 2 mailles. Donc ça n'a pas d'importance. Je tricote. Là, regardez. Il me reste une maille que je tricote avec la maille. Vous savez, j'ai dû tellement détricoter, refaire que il se pourrait que voilà. Et là, il me reste une maille et je la tricote et je fais mon surjet simple. Voilà. Nous avons assemblé l'épaule où nous avions laissé en attente nos 19 mailles. Maintenant, regardez, vous prenez votre maille et vous faites passer votre bout de laine par-dessus la maille et vous serrez. Maintenant, vous allez faire exactement la même chose de ce côté-ci. Là, j'ai des mailles. Je vais trouver mes mailles. Voilà, elles sont dans l'autre sens. Voilà, elles sont ici. Donc, faites bien attention de ne pas, de ne pas tourner votre tricot comme j'étais en train de le faire. Vous mettez bien côté en colure avec côté en colure comme ceci et les manches sur les côtés et nous allons nous occuper des manches plus tard. Pour l'instant, on va rabattre de ce côté-ci aussi. Donc, avec l'aide d'une aiguille, je fais exactement la même chose. Je tricote mes mailles deux par deux, deux mailles ensemble. Tout de suite après, regardez, je tricote encore deux mailles ensemble, c'est-à-dire je prends une maille sur cette aiguille, une maille sur l'aiguille de derrière et je tricote ces deux mailles ensemble et je rabats. Une, deux, je fais exactement la même chose. Alors attendez, là ma maille, il faut que je mette, voilà. Donc, je mets et je continue
à rabattre de cette façon là. Donc vous allez continuer à rabattre vos mailles exactement de la même façon, et je vais reprendre pour une fois l'assemblage des épaules terminé. Nous allons passer à la couture. Donc nous allons faire nos coutures, c'est à dire regardez, nous prenons le corps de notre pull et vous allez en partant du bas ici coudre comme vous avez envie de coudre. Donc vous faites votre couture jusqu'au bout de la manche, vous faites le côté et regardez la manche, on assemble une partie de la manche mais on laisse le haut, regardez, de notre manche ouvert, on le laisse ouvert parce que nous allons assembler au crochet. Alors j'ai fait une manche déjà pour voir comment on fait, parce que moi aussi c'est la première fois que je réalise ce pull et vraiment je suis pas déçue, il est très très beau. Et aussi regardez, pour pouvoir vous le montrer, voilà, on laisse des petites ouvertures comme ceci au-dessus de la manche. Alors arrivé à ce niveau là à peu près, regardez, moi je me suis arrêtée là. Donc cette partie, c'est la partie qui vient au-dessus comme ceci de notre manche. Moi j'ai laissé cette partie, j'ai pas fait d'ouverture et j'ai commencé à faire mes ouvertures, regardez, un peu plus haut. Donc ne vous dites pas que, comment dire, ça paraît petit, parce que regardez, ça a tendance à se détendre bien. Et il faut aussi que quand vous allez le porter, regardez, faut que ça soit, que ça colle à votre manche et que ça s'ouvre ainsi. Alors on va commencer la deuxième manche ensemble. Vous prenez votre laine et pour cela vous avez besoin d'un crochet. Je vais vous expliquer si vous n'avez pas de crochet tout à l'heure ou même maintenant. Si vous n'avez pas de crochet, alors ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez regarder à l'aide de votre aiguille, vous pouvez coudre vos manches et laisser des petites ouvertures comme ça de 5-6 cm en fonction de ce que vous souhaitez. C'est-à-dire, regardez, vous allez partir de l'épaule. Pour vous, si vous ne savez pas faire du crochet et que vous voulez donc le réaliser, vous prenez, vous mettez comme ça, bien face à face, et avec votre aiguille, hop, vous faites 2-3 coutures ici de façon à faire tenir, et ainsi de suite, vous faites à peu près 5-6 cm entre chaque petite ouverture, comme ceci, regardez. Et si vous désirez assembler comme moi le ici, regardez, après avoir fait 4 ouvertures, vous laissez, vous pouvez coudre cette partie là ou alors vous pouvez aller jusqu'au bout pour vos ouvertures, c'est à vous de voir. Alors je prends ma laine, je vais à la pointe là où j'ai commencé, regardez où commence notre manche, et je pique et je vais faire une maille, et j'ai fait une maille serrée. À partir de maintenant, regardez, je fais que des mailles serrées, c'est-à-dire je rentre dans l'espace qui suit ici et un jeté, je prends mes deux mailles ensemble. Je ne fais pas de jeté, je vais dans cet espace et je fais une maille serrée. Je vais dans l'espace suivant et je fais une maille serrée. Nous allons avoir à peu près 75 ou 76 mailles serrées tout le long de notre manche. Regardez, dans chaque espace ici que vous voyez là, je vais faire une maille serrée. Là, dans l'espace qui suit, une maille serrée. Et je regarde dans l'espace suivant, une maille serrée. Donc, j'en fais pas
trop. Après, je vais me retrouver avec trop de mailles. Regardez, vous voyez ces mailles-ci. Vous allez en faire une avant et une après, à peu près comme ceci. Et vous devez en avoir à la fin à peu près, je vous ai dit, entre 75 et 76. Donc, vous terminez et après, je vous explique pour la suite, c'est-à-dire quand nous allons arriver ici au niveau. Je suis à 76 mailles coulées. Et maintenant, regardez, nous avons notre maille de l'épaule ici. Ce que nous allons faire, nous allons prendre une maille à côté. Et je laisse comme ceci, regardez, en attente. Je vais venir prendre une maille juste au milieu, regardez, au niveau de la couture, ici. Enfin, de l'assemblage que nous avions fait. Et une autre ici, regardez. Alors, je ne sais pas, est-ce que je fais une... Voilà, je fais comme ceci, regardez. Donc, 76e bride, on l'a fait. Si vous en avez 75, 77, ça n'a absolument pas d'importance. C'est ici, regardez. Quand vous arrivez au niveau du trou, vous faites une maille coulée incomplète, on va dire. Vous la laissez comme ceci. Vous allez venir prendre au milieu de la couture, ici. Et juste après, regardez cet espace que nous avons là, comme ceci. Et on va assembler toutes ces mailles comme ceci ensemble. C'est juste pour faire le passage. Et maintenant, on retourne. Et maintenant, regardez, nous allons compter à chaque fois. Une. Une. Deux. Deux. Trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, on pique comme ça dans les espaces. 13, 14. Donc, j'ai fait 14 brides. Et maintenant, je prends le côté, regardez, et je vais compter, pas en partant du milieu ici, hein, mais à partir de là, je vais compter, comme nous allons être comme ceci, regardez, 14 brides. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est ma 14e. Pardon. Je pique mon crochet comme ceci. Je viens prendre ma maille et je fais passer à l'intérieur. Et maintenant, dans l'espace qui suit, je fais une maille serrée. Je fais une maille coulée, excusez-moi, parce que moi, je ne connais pas trop les termes du crochet. Voilà, je passe et je fais une maille serrée. Maintenant, je viens prendre la 15e. Regardez, juste après celle-ci, donc la maille qui suit, c'est la 15e. Regardez, je passe mon crochet à l'intérieur. Je viens chercher ma maille et je fais passer. Et maintenant... J'ai assemblé, regardez, j'ai assemblé et je vais recompter 14, 1, 2, je vais dire 14 mailles, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14. Donc, et ici, je vais compter 14 mailles. Donc, à partir de là, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je pique, regardez, dans la 14e, comme ceci. Je fais passer et je fais une maille serrée. Maintenant, je viens, regardez, à côté et je fais une maille coulée. Tout à l'heure, je n'ai pas fait comme ça, mais ça n'a absolument pas d'importance. Je retire mon crochet et je viens chercher la maille qui suit du côté, regardez, en face. Et je viens faire une maille coulée. Et maintenant, je continue. Une, vous voyez, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et je viens compter en face et je vérifie en même temps. Regardez, il faut que ça ne soit pas décalé, donc là c'est parfait. Et je compte. Donc j'ai assemblé ici. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je rentre dans la 14e comme ceci. Je récupère ma maille et je fais une maille coulée. Une maille serrée et maintenant je vais venir regarder piquer dans l'espace suivant et je retire mon crochet et je vais venir chercher ici la maille qui est juste en face et je fais une maille serrée et là regardez j'ai dû pas très bien compter parce que ça me fait une petite bosse, il faut pas que ça me fasse une bosse, il faut que ça soit vraiment comme ceci, nickel. Donc j'ai peut-être mal compté mes mailles. Vous voyez, il faut que ça soit vraiment comme ceci. Donc je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Comme ceci, ben je comprends pas ce qui se passe. Ça ne doit pas me faire ça. Donc ce que je vais faire, regardez, ça m'a absolument pas fait ça de l'autre côté. J'ai peut-être pas 14 mailles ici, les tricopines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et oui, 9, 10, 11, 12, 13, voilà, ce qui explique 14, pourquoi j'avais ce problème. Et maintenant, je vais compter 14 mailles. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Voilà, vous voyez, c'est mieux.
Et hop, j'ai fait une maille coulée, je crois, hein, excusez-moi pour les termes, une maille serrée. Et maintenant, je viens piquer dans l'espace suivant. Je fais une maille coulée, je retire mon crochet de mon aiguille et je vais venir prendre la 15e maille de l'autre côté et je fais une maille serrée. Donc, et ensuite une maille coulée. Vous pouvez, vous, utiliser l'assemblage de votre choix. Vraiment, moi, je le fais comme ça. Vous pouvez vraiment utiliser ce qui vous semble le plus simple. Donc, 1, 2, 3, on va en faire encore un ensemble. Et après, moi, j'arrête là pour ce qui concerne les petites ouvertures sur les manches. Donc, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Je retire, je viens compter la 14e maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, la 14e maille. Et je fais une maille coulée. Je crois que c'est des mailles coulées. Hein. Vraiment, excusez-moi pour les termes, parce que moi, je ne suis pas, comme vous le savez, en crochet. Je suis pas, je sais faire du crochet. J'en ai fait énormément, mais je ne connais absolument pas les termes du crochet. J'ai toujours fait comme ça, en regardant les diagrammes, mais je me suis jamais intéressée au lexique, on va dire. Donc, j'ai pris la 15e maille et je vais venir prendre ici la 15e maille aussi et j'assemble. À partir de maintenant, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais assembler toutes mes mailles ici. Donc, je vais faire, regardez, une maille ici. Et pour cela, très important, il faut prendre l'envers de votre ouvrage. On a fait l'assemblage sur l'endroit et maintenant, on prend l'envers pour faire ceci. Et on va assembler nos mailles au niveau de notre poignet, ici, cette partie-là. Et pour cela, c'est vraiment important de passer sur l'envers de votre tricot. Je vais chercher ma laine qui est, je ne sais pas. Et je viens regarder une maille serrée et je vais dans la maille en face, une maille serrée. Une maille serrée de ce côté-ci, une maille serrée de l'autre côté. Donc, c'est une autre façon aussi d'assembler vos tricots. Vous pouvez très bien utiliser votre crochet pour assembler tous vos ouvrages si vous n'avez pas envie de faire des coutures. Alors, moi, je ne le fais pas systématiquement dans mes vidéos pour la bonne raison que tout le monde ne sait pas faire du crochet. Mais on peut toujours assembler tous nos tricots avec le crochet. Alors, si vous voyez que, regardez, vous mesurez, si vous voyez que c'est trop large d'un côté, vous sautez quelques mailles et vous assemblez, vous sautez quelques mailles de façon à avoir le même niveau. Je vous montre. Alors, une maille serré. Regardez, j'ai une maille ou deux mailles de trop de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire, regardez, au lieu de venir piquer directement ici, je vais piquer dans l'espace suivant et je fais une maille serrée.
je viens de ce côté-ci. Ici, je fais normalement une maille serrée de chaque côté. Et je vérifie. Et là, regardez, c'est parfait. Et j'assemble ainsi, regardez, je vais dans les mailles en face. Vous pouvez donc très bien coudre cette partie avec votre aiguille à laine sans aucun problème. Et là, regardez, je rentre dans l'avant-dernière maille. Et maintenant, je vais chercher la toute première maille ici. Et je vais faire une maille coulée comme ceci. Et maintenant, je vais faire... Alors, je vais récupérer ma laine. Et maintenant, je vais faire des mailles serrées tout le long de ma manche. Je fais une maille et je vais venir piquer dans chaque comme ça espace de façon à faire des mailles serrées. Donc ne sautez pas trop d'espace parce que si vous sautez trop d'espace, vous allez vous retrouver avec quelque chose de trop petit et votre bras ne pourra pas passer. Donc essayez vraiment de rentrer dans chaque maille. Pas deux fois dans les mêmes mailles quand même. Donc je vous montre à peu près comme ceci. Alors que vous soyez sur l'endroit ou sur l'envers, ça n'a pas vraiment d'importance. J'arrive, regardez, au niveau de l'assemblage et ici une maille serrée et là regardez, j'ai ma première maille et je viens faire une maille coulée et maintenant je fais une maille et maintenant je pique dans chaque maille et je fais des mailles serrées. Ah non, excusez-moi, j'avais pas fait le tour, pas encore, voilà. Donc je vais... Donc là, c'est là où j'ai assemblé. Je fais normalement mes mailles. Je rentre dans chaque espace pour faire des mailles serrées. Je croyais que j'étais arrivée en début de rang, mais non, pas encore. Mon début de rang est ici. Donc, et là, le dernier
la dernière espace. Et maintenant, regardez ici, je viens terminer mon premier rang. Je fais une maille en l'air. Et maintenant, regardez, je viens dans chaque espace piquer et faire des mailles serrées. Et je vais répéter. Alors ça, c'est vraiment à vous de voir. Moi, je le fais. Je l'ai fait trois fois pour l'autre côté. Et je vais le faire trois fois pour ce côté-ci aussi. Et après, nous avons terminé notre pull. Donc, je vais terminer ce rang. Je vais refaire encore un rang. Et je reprendrai la vidéo pour vous montrer le résultat final. Alors, notre pull est totalement terminé. J'ai fait trois rangs pour les bordures de la manche. Vous pouvez bien sûr en faire plus si vous désirez. Tout dépend de ce que vous souhaitez. Voilà, voilà. Donc, notre pull est terminé. Je le mettrai sur le mannequin afin que vous puissiez mieux voir. Donc, c'est vraiment un très, très joli pull. Nos manches et le pull. Je vous donnerai les dimensions en début de vidéo. Voilà les tricopines et les tricopins, notre pull est terminé. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager mes vidéos et surtout, surtout les tricopines et les tricopins, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très très vite pour un prochain projet.